Allez, voilà les gars, voilà, donc c'est le site qui est là. N'oubliez pas de me donner une pouce bleu, voilà. Ça me réconforte et ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, merci de suivre ma chaîne YouTube, voilà. Et j'espère que les vidéos que je mets en ligne vous servent. Et comme je le sais, il y a plusieurs étudiants qui m'envoient des messages pour m'encourager. Donc, je leur dis vraiment un grand merci. Et voilà, donc comme je le disais, c'est cette bourse, c'est pour les amoureux de la musique. Voilà, musique, art et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous voulez postuler, c'est le moment de postuler. Et je crois que vous commencez maintenant. Et la rentrée, ça sera en mars et en avril. Voilà, donc ça sera à vous de voir comment est-ce que vous allez faire. Parce que la date d'automne et de printemps est déjà passée. Donc, c'est pour ceux du master, de la licence, voilà, et du doctorat aussi, donc de la musique. Donc, si vous voulez postuler dans un premier temps, vous allez d'abord vous inscrire sur le site, voilà. Vous allez vous inscrire, je vais vous montrer un peu clairement comme ça. Suivez très bien parce que moi, je vais pas postuler. Voilà, donc, dans les noms, la page doit être en russe, voilà. Donc, dans un premier temps, vous allez d'abord vous enregistrer sur le site. Et lorsque vous finissez de vous enregistrer comme ça, c'est l'université Berkeley. Donc n'oubliez pas, c'est une bourse russe. Donc si vous êtes intéressé vraiment à cette bourse, c'est le moment de vous faire plaisir, voilà, parce que ce type de bourse pour la musique, c'est vraiment très rare. Donc comme je vous le disais, ici la seule chose que vous devez faire, c'est quoi? C'est d'avoir une admission. Et une fois que vous avez l'admission, par rapport à vos dossiers, vous serez reconduit plutôt pour la bourse, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de postuler à l'admission et aussi postuler à la bourse, voilà, c'est pas la peine. Donc dans un premier temps, on va essayer d'appliquer, voilà. Vous appliquez là et vous allez postuler pour l'admission. Et une fois que vous postulez pour l'admission, eux-mêmes ils vont vous aider pour la bourse, voilà. Donc ici, create an account to start your application. Donc ici, comme vous savez déjà, voilà, vous allez créer votre compte, nom, prénom, adresse email, et vous allez submit là, vous comprenez. Et lorsque vous allez submit là, vous aurez maintenant accès à l'admission application. Voilà, l'admission application, lorsque vous allez aller là-bas, c'est pour quoi? C'est pour remplir vos dossiers. Voilà, c'est pour remplir vos dossiers et tout ça. Je vais vous montrer les dossiers qu'il faut remplir là-bas. Donc, je vais vous montrer un peu. Si je viens, par exemple, ici, principal, diplômé, admission. On va essayer d'aller dans admission. Comme ça, vous allez voir les éléments qu'il faut pour pouvoir postuler à cette admission. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, rien, il n'y a rien de compliqué. Donc vous allez venir dans ici, dans admission, voilà. Et dans admission, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ici c'est baccalauréat. N'oubliez pas, le site est en russe, voilà. Donc je vais mettre en français, comme ça vous allez voir. Et je vais choisir comme ça le premier cycle, commencer premier cycle. Je vais cliquer sur commencer et ça m'envoie ici, vous comprenez. Ici, regardez très bien. The deadline to apply for fall 2021, c'est en janvier. Vous comprenez? Ça, pour fall, c'est déjà terminé. Voilà. Je vais, en même temps, je vais vous montrer aussi les deadlines. Comme ça, vous allez vous serez situé. Un instant, que je vous montre toutes les dates. Pour ne pas que vous soyez un peu... sous confusion, je vais vous montrer les dates, comme ça vous serez mieux situé. Donc un instant, que je mette en français là. Ici dans le nom, il doit se passer la date limite. Je vous montre les dates limites, comme ça cela va vous arranger aussi pour savoir à quel moment postuler, pour savoir quelle est l'admission, pour quelle entrée vous postulez. Voilà. Donc ici,
Je vais voir les dates limites. J'ai la date. Instant. Ici, ça c'est pour la bourse. La date limite. Donc, n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de. Vous n'allez pas postuler à une bourse, mais seulement à l'admission et c'est tout. Voilà. Donc, je vous montre directement la date limite. Et puis, comme ça, vous allez vous serez situé pour pouvoir postuler. Ok, clinique, Beckeroute, bourse. Ok, en attendant que nous sommes ici par exemple sur la bourse, je vais vous montrer aussi la bourse et ensuite vous montrer les dates limites. Voilà, donc ici par exemple comme ça, je mets en français. C'est vraiment très important pour ceux qui veulent vraiment postuler pour la musique. Voilà, c'est à vous cette vidéo. Pour ne pas trop biaiser les choses. Ok, donc ici vous allez voir pour la bourse d'études pour les étudiants entrants. Tous les étudiants entrants sont automatiquement considérés pour des bourses basées sur le mérite. Dans le cas du processus d'admission, lorsqu'ils postulent au collège de quoi de conservatoire, les étudiants de Berklee College of Music ont également la possibilité de soumettre du matériel dans leurs documents, dans leur demande d'admission, pour que leur capacité d'écriture de composition soit prise en compte. Vous comprenez, donc directement une fois que vous postulez pour l'admission, directement vous êtes admissible à la bourse. Voilà, ils vont voir votre dossier directement lorsque vous postulez pour l'admission. Ok, maintenant vous allez voir comment est-ce que vous pouvez postuler. Et n'oubliez pas, voilà ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que tous les étudiants étrangers qui souhaitent, je suis là, tous les étudiants étrangers qui souhaitent s'inscrire à une assistance en fonction des besoins, y compris la bourse, doivent remplir un profil CSS en utilisant le code de l'école Berklee qui est quoi? Qui est 3100. C'est ça, c'est lorsque vous allez faire l'admission là-bas. Voilà, il y a tout là-bas, vous allez voir. 3107, veuillez noter que les frais de facture de frais sont à $25. Les étudiants internationaux n'ont pas besoin de remplir les demandes gratuites d'aide fédérale. Ok, ça, j'espère que vous avez compris cela, donc c'est pas un problème. Donc, je vous montre rapidement pour ne pas que ça nous prenne assez de temps. Berklee en ligne, n'oubliez pas aussi, vous pouvez postuler aussi en ligne, donc vous pouvez postuler et étudier en ligne en attendant. Je vais vous montrer un peu. J'aimerais vous montrer la date limite. Calendrier académique. Voyons voir ici. Voilà. Calendrier académique. Ok. Je vais vous montrer un peu. Ok, c'est pas ici, c'est pas là. Programme académique, aide le bourse. Pour ça, pour la bourse, je vous ai déjà montré comment ça se passe. Donc, ce n'est pas un problème là. Je vais juste vous montrer un peu les dates. Comme ça, vous serez mieux suivi. En ce qui concerne la bourse, vous savez déjà comment ça se passe. Juste postuler pour l'admission et c'est tout. Il n'y a pas de chemin. Vous postulez à l'admission et c'est tout. Je veux juste vous montrer les dates. C'est pour les dates que je suis là. Je vais vous montrer les dates. Voilà. Donc n'oubliez pas, c'est une bourse russe. Voilà. Université Berklee, la musique en Russie. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés,
C'est très très important pour vous, je le sais. Pour ceux qui font vraiment la musique, qui veulent faire la musique, voici une bourse pour vous. Et ça sera vraiment un plaisir pour moi de vous aider à pouvoir postuler à cette bourse. Voilà, donc n'oubliez pas, pour le moment je me sens pas assez bien, donc je fais l'effort de vous trouver ces bourses pour que vous puissiez les postuler. Ok, où es-tu passé? Les dates. C'est pour les dates limites que je vais vous montrer, mais ce n'est pas un problème. De toutes les façons, donc, comme je vous le disais, en ce qui concerne la rentrée de l'automne, c'est-à-dire la rentrée d'août, de septembre, c'est déjà passé, et pour janvier aussi, est déjà passé. Janvier est passé depuis juillet. Voilà, nous sommes actuellement pour la rentrée de mars et avril. Donc, vous devez terminer, ou plutôt votre admission, ou plutôt en mars. Voilà, pour faire des cours en avril. Voilà, donc c'est un peu ça. Je voulais juste vous montrer cela, mais la page refuse de s'afficher. Donc, on va pas s'éterniser dessus. C'était juste vous montrer cela. C'était juste vous donner l'information en ce qui concerne cette bourse, voilà. Et pour pouvoir postuler, je viens de vous montrer. Donc, si vous avez des soucis, voilà, essayez d'écrire en commentaire pour que je puisse vous répondre. Et si vous êtes vraiment intéressé aussi, vous pouvez m'écrire inbox pour que je puisse vous aider à pouvoir postuler à cette bourse. Voilà, les gars, je vais pas trop m'éterniser dessus. Voilà, c'était moi, Sam Hospital, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. À plus, les gars.